Je remercie le Dieu créateur pour tout ce qu'il a fait pour moi. En tout cas, le mot me manque. Je ne vois pas l'adjectif que je peux lui donner. Parce que c'est lui le maître de temps et de circonstances. Sans lui, je ne serai jamais vivante. Je ne me présenterai jamais ici dans ce studio ou sur cette terre. Dieu, il est merveilleux. Il m'aime beaucoup. Il m'aime depuis que j'étais enfant. Depuis mon enfance jusqu'à cet âge ici. J'étais toujours maladive, mais il me donne toujours la vie. Il me donne toujours le souffle. Je lui remercie pour ce souffle. Je remercie aussi notre pasteur. C'est grâce à lui que moi, Jeannette Tabougou, je me tiens ici pour parler de ce qui s'est passé dans ma vie. Moi, je suis née dans une grande famille, au nombre de 6. Mais, comme dans la famille, ma maman est née dans une famille où il y a la sorcellerie. C'est-à-dire, ma mère, elle est la première d'une famille où sa mère était une guérisseuse. Pour concevoir ma maman, ma grand-mère, elle avait fait beaucoup de choses pour avoir ma maman. Parce qu'elle ne concevait pas. Elle a eu ma maman. Et quand elle a eu ma maman, elle devrait aussi avoir des fétiches pour traiter d'autres personnes. Maman a eu 2 enfants. 6, moi je suis la 2e et tous les autres sont morts. Tout ça c'est parce que, selon les enseignements que j'ai suivis dans cette église, tout ça c'est parce que dans notre famille il y avait des fétiches, il y avait des guérisseurs, tout ça. Des ancêtres quoi. Alors ma maman, moi, tellement que j'étais trop maladive, on a dit que tiens un enfant, mais cette fille-là elle est malade, il faut aller par-ci par-là. La maman, elle est allée chercher d'autres guérisseurs. Je me rappelle bien, d'ailleurs hier, j'ai même dit à la maman, « Maman, où est-ce que vous m'avez conduit ?» Elle m'a dit, « Jeannette, on était parti chez un guérisseur, je ne cite pas les noms, d'ailleurs il est déjà mort. On était allé sur la rivière, au bord de la rivière, pour me traiter, pour me faire soigner. Et quand on me soignait, directement, c'était vers Mbinza comme ça, c'est maman qui m'a expliqué hier. Elle m'a dit, tout d'un coup, il y a une voix qui était sortie. Cette voix-là disait, c'est ma femme. Et le guerrier-là qui était à côté de la maman s'est batté. Il a dit, non, moi, n'a pas tout, beaucoup qu'il n'a été. Et puis ma maman a dit, moi, j'étais debout sur le bord de la rivière. Le guérisseur là me faisait sortir et à l'intérieur vers l'eau on m'a tiré aussi. Mais comme le féciteur, je ne sais pas ce qu'il avait fait, je suis sortie. Bon, depuis ce jour-là, bon, j'étais encore enfant, j'avais 17 ans, 18 ans. Hein. Ça ne me faisait pas attention. Bon. Est-il que j'étais trop maladive? J'ai vécu dans une enfance maladive. Et je n'ai pas eu la grâce aussi d'avoir 2 enfants. Jusqu'à présent. Alors, j'ai grandi seulement comme ça, j'ai grandi comme ça. Bon, tellement que j'étais jolie, tout le monde m'enviait, même au niveau de la famille. Tout le monde m'enviait. Et puis, je ne sortais pas tellement. Je m'enfermais très souvent, je me rappelle, j'étais toujours enfermée dans la maison. Si je ne pars pas à l'école, je m'enfermais dans ma chambre. Et si je m'enfermais dans ma chambre, je suis toute seule. Je sortais rarement. Si je sors de la parcelle de la maison, les gens qui étaient dans la parcelle, tout le monde m'enviait, je me rappelle bien. Même les femmes, même les filles m'enviaient, moi, quand je marchais. Et tantine, où c'est qui t'a quoi? En tout cas, merci. C'était comme ça. J'ai grandi comme ça. Jusqu'à ce que j'ai terminé mes études, tout ça, j'ai commencé à travailler. Dans le bureau où j'étais, parce que maintenant je ne travaille plus, ça fait 6 ans. 6 ou 7 mois, j'ai eu ma retraite parce que j'ai fait au moins 25 ans. Je suis informaticien de carrière. Là où j'ai travaillé, dans le bureau, je n'avais peur de personne. J'ai dit bien personne. Que ce soit le directeur, que ce soit mon chef direct. S'il parle, moi aussi je parle. Je peux même taper sur la table. Et puis il dit, mais pourquoi tu tapes sur ma table? Directeur, moi je n'ai peur de personne.
Je voyais tous les hommes au même rang. Les hommes ne me disaient absolument rien. Et tant que femme, il y a des hommes qui m'enviaient. Bon, quand je cause avec un homme, bon, je cause une fois, une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes. Après, je commence à m'énerver. Et je lui réponds méchamment. En tout cas, excusez-moi, monsieur, je n'ai pas le temps de sortir avec toi. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Il me dit, mais tu as beaucoup de choses en tête, c'est quoi ça? Mais je dois raisonner, je dois réfléchir parce que demain, je dois aller au boulot. J'ai beaucoup de travail à faire. C'est comme ça. J'étais vraiment très, très méchante, même au bureau. Si quelqu'un me parle, je réponds méchamment. Mais quand on recevait des clients, tout ça, il y a d'autres personnes qui me disent, mais on me cause, madame, vous êtes jolie. Merci, monsieur. Madame, vous êtes jolie. Merci, monsieur. Mais je ne poussais vraiment pas la conversation. La conversation n'était pas vraiment très approfondie. Par rapport à ce que je viens de suivre, je vis que pendant toute ma jeunesse, j'avais un mari de nuit. J'avais un mari de nuit, je peux vous donner un exemple. Parce que j'étais mariée. J'ai fait le mariage civil et coutumier. Le monsieur est rentré en Europe. Sans me dire un mot, rien du tout. Si je me souviens bien, une fois au lit, il m'a fait tourner le dos. Mais moi, j'étais au lit, j'étais en train de faire l'amour avec quelqu'un. Je me suis dit, peut-être c'est mon mari. Directement, je me suis sursautée. J'ai vu que lui, il m'a fait tourner le dos. Et j'ai commencé à pleurer. Pour tout ce que je vis ici, j'ai compris que j'avais un mari de nuit très dur. Il me faisait éloigner des hommes. Quand j'ai subi la délivrance ici, je me suis dit, effectivement, j'avais un mari de nuit. Parce que des fois, vous dormez, vous rêvez que vous êtes avec un homme, mais vous n'êtes pas avec un homme. Vous réveillez le matin, vous êtes seul. Donc, cela prouve que j'ai un mari de nuit. Et puis, les hommes, bon, ils ne me disaient absolument rien. Je cause bien avec eux, mais à un certain moment, je m'énerve. Que c'est ça. Même pour que quelqu'un me donne l'argent, est-ce que vous pouvez m'acheter quelque chose? Ah non, Jeannette, attendez, elle a toujours des promesses et des promesses. Même dans la famille, si quelqu'un me promet pour me donner l'argent, c'est toujours un problème. Tout ça, c'est parce que ce démon-là de mari de nuit, comme il a dit que lui, il est chef, bon, il se faisait voir comme millionnaire dans le monde physique. Et pourtant, lui, il est dans le monde spirituel, physiquement, je ne suis pas comme j'étais dans le monde spirituel avec ce monsieur-là. Parce que lui, il se disait, il est chef, donc une femme d'un chef ou d'un roi ne peut pas souffrir. Mais moi, j'en manque. Je crois que le premier conseil, c'est la prière. Parce que la prière détruit tout. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contre Dieu. Tout ce qui est contre les lois de Dieu, donc contre la Bible. Et je dirais même à toutes ces jeunes filles qui courent derrière les hommes par-ci, par-là, le temps maintenant est très mauvais. Parce qu'il y a d'autres hommes qui font des fétiches, qui sont dans des sciences occultes et qui utilisent les femmes, disons les jeunes femmes, les jeunes filles pour leur évolution matérielle ou financière. Donc, les jeunes filles doivent se donner à la prière. Si par exemple, elles constatent que ça ne va pas dans leur vie, elles doivent soit consulter leur pasteur ou bien, je ne sais pas, un frère qui prie pour leur expliquer les problèmes qu'elles ont. Je dirais que Papa Dayo, réellement Papa Dayo, c'est un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu. Je me rappelle une fois, pour le problème là que je vous ai dit, le problème de ce monsieur là qui m'avait épousé, il était parti. Je suis venu avec la photo, c'est déjà passé, je crois, 15 ans passé. Il m'a dit, il a seulement regardé la photo, il a dit, mais il est envoûté. Bon, j'ai pas voulu faire. Il a dit, si tu veux, tu peux revenir, mais j'ai pas fait attention à tout ça. Mais Papa Dayo, vraiment, c'est un homme de Dieu. Parce que la nuit, j'ai prié, je me suis dit, Seigneur, pourquoi devrais-je vivre cette vie? J'ai regardé toutes mes photos, j'ai gardé mon album, je me suis dit, je suis quand même jolie, mais qu'est-ce qui me manque pour avoir un homme comme toutes les femmes? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas d'enfant dans la famille? Ce qui m'a énervée, parce qu'il y a une nièce qui est venue m'insulter, ça m'a énervée. Donc je suis devenue un objet de critiques et des insultes parce que je n'ai pas d'enfant, parce que je n'aime pas des enfants. Elle m'a dit que d'ailleurs, c'est un masque de vieillesse, ça m'a fait pleurer.
J'ai prié la nuit. J'ai demandé à mon Dieu, Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, fais-les sortir. Que papa Dieu puisse voir ce qui est mauvais en moi. Si j'ai un mari de nu, pas parce qu'on m'a dit que j'ai une masque de vieillesse. Donc, les hommes ne me voient pas. C'est ça. Je pense que j'avais 17 ans, 18 ans. Parce que tellement que j'étais trop maladive, on a conseillé à la maman, okay, allez par-ci, par-ça. Maman faisait des tours de guérisseur, tout ça, pour mon état de santé. Souvent, des fois aussi, ma maman, elle vient ici. Il y a mes nièces aussi, viennent ici. J'ai un neveu aussi, un fils. Ben, c'est mon fils à moi. Ou bien un neveu, mais mon fils à moi, parce que ce sont les enfants que mes soeurs ont laissés. Lui, il est pasteur. Deux fois aussi, il vient ici. Il prie chez nous là-bas. Mais sa femme est venue aussi. Une fois, sa femme est passée à la délivrance ici, parce qu'elle a eu des problèmes de conception. Ils viennent ici. Et nous sommes sur Vista, numéro 6, commune des Calamou, quartier Matongué, s'il vous plaît. Et j'ai duré à tous ces gens qui utilisent Papa Dayo comme un magicien ou tout ça, non. Je peux dire que dans ce monde, pour ne pas trop dire, disons au Congo ou en Afrique, parmi les 5 premiers pasteurs qui ont reçu la main de Dieu, qui prient le véritable Dieu créateur, je dirais c'est Papa Dayo. Des fois, il m'épate beaucoup. Quand il parle, il révèle. Si vous pensez quelque chose directement, il est dit. Vous pensez à quelque chose directement, il est dit. Je ne sais pas. Donc, je demande à ce que Dieu lui prête vie, que lui donne la sagesse et l'intelligence, que lui donne la force et la vision de bien faire son travail avec la maman. J'ai vu aussi la maman vraiment. Je me suis dit, c'est une femme qui a de l'inspiration. Je crois qu'avec Papa Dayo, ils feront quelque chose de bien. Ils vont épater le monde dans la spiritualité.